Voilà la seule image du président Aristide fuyant son pays tôt ce matin. Lâché par tous, le président haïtien a donc fini par jeter l'éponge et laisse derrière lui une capitale en plein chaos. Nier la terreur. À la chute de la dictature, ce fils de paysan incarne un immense espoir de changement et de démocratie. Le soutien populaire s'apparente souvent à de l'idolâtrie. En 1990, le père Aristide est élu président, triomphalement. Non, c'est parce que je suis chrétien que je puisse assumer cette responsabilité politique. Donc les axes théologiques et politiques s'entrecroisent et on espère pouvoir gouverner avec la Constitution.